Bienvenue à Moscou. Passez un agréable séjour. Le patron vous attend. Par ici, je vous prie. Ça y est, c'est parti. Ok, Jerry, on n'a aucun visuel à l'intérieur, tout dépend de toi. Bienvenue. Salam alaikum. Prenez un siège. Vous avez fait un long voyage, je vous en prie, j'insiste. Ne faites pas attention à la décoration qui laisse à désirer. Tous les hôtels chics affichent complet en raison du sommet sur l'antiterrorisme. C'est tout? C'est la totalité? Messieurs, je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes tous amis ici. Baissez vos armes. Je comprends que vous soyez nerveux. Vous êtes en territoire ennemi, mais c'est précisément pour ça que vous êtes en sécurité. Personne ne songerait à vous chercher ici, juste sous leur nez. Mais soyez certain, monsieur, que personne ne veut mourir aujourd'hui. On est d'honnêtes criminels. Apportez-la. Voilà, ça commence. Je vous montre la mienne si vous me montrez les vôtres. Vous êtes satisfait? Oui. Je vous crois sur parole. N'oubliez pas ça. Sans ça, elle n'a aucune utilité. Davai! C'est quoi, ça? On va célébrer notre nouvelle collaboration. Ce n'est pas nécessaire. J'insiste. На здоровье! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Quelque chose cloche. Il aurait dû confirmer maintenant. On doit y aller. On n'est pas censé intervenir. Juste les suivre et confirmer. Notre affaire est conclue. Elle l'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce bordel? Fuyez-les! Qu'est-ce qui vient de se passer?
J'en sais rien. Dormez bien, les garçons. C'est quoi, ça? Apparemment, une balise a été activée. Quoi? Ça vient d'où? De l'intérieur. Je sais que ça a l'air louche, mais... c'est une histoire très drôle, en fait. Apparemment, vous n'aimez pas les histoires drôles. Là, c'est sûr, c'était un coup de feu. Agent Cooper, arrêtez! Vous voulez m'en empêcher? Tuez-moi! Attendez. J'ai le doigt sur le détonateur. Si vous me tuez, alors cet endroit ne sera plus qu'un souvenir. Maintenant, baissez votre arme. Et allez-vous-en. Non. Comment ça, non? C'est pourtant clair. Hors de question que je baisse ce flingue. Est-ce que vous comprenez ce qui se passera si j'appuie sur ce bouton? Pour que tout soit bien clair, vous êtes tout à fait ravi que je nous tue ainsi que vos amis, votre famille et des millions de personnes innocentes, c'est bien ça? Da. Parce que le détonateur est inactif sans la clé. C'est une bonne raison. Tu cognes fort pour une jeune fille. Ça suffit. Au revoir. FBI, posez votre arme! Agent Cooper. Agent Cooper, répondez. Rien. Simon Templar, et pour le moment, je me cache. Eh bien, Simon, vous perturbez une mission gouvernementale. Agent spécial Cooper, FBI. Depuis quand le FBI est compétent en Russie? Il s'agit d'une unité antiterroriste. Qui doit venir? Venir? Vous avez déclenché une balise sur cette bombe. Qui vouliez-vous contacter? Interpol. C'est des conneries. Écoutez, agent Cooper, soit on reste assis là, vous continuez à ne pas me croire et on est transformé en gruyère, soit on trouve, j'en sais rien moi, un truc pour survivre. Hey, qu'est-ce que vous faites? Je prends une décision de bon sens. Couvrez-moi. Non, arrêtez!
Il n'y en a que 10 dans le chargeur, petit. Tu veux recharger? J'attends. Quelle reconnaissance? Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes sérieux? Toujours. Quelles sont les charges? J'en sais rien, je trouverai bien un truc. Agent Cooper! Agent Cooper, on est là! Mieux vaut tard que jamais. Ne vous en faites pas, la situation est sous contrôle. Il suffit de le mettre en état d'arrestation. Qui? Patricia, timing parfait. Ma spécialité. Comment se passe votre aventure russe? Très russe et très aventureuse. Et pas tout à fait terminée. Ne raccrochez pas. D'accord. Où dois-je me rendre? À l'aéroport. Il vous rencontrera à Bucarest demain. Je vous ai affrété un avion qui décolle dans une heure. Miss Holm, vous êtes aussi efficace que vous êtes belle. Oh, comme toujours, merci mon cher. Et je dois avouer que la barbe vous donne une certaine sophistication. Hein? C'est pas pour moi, je vais devoir la raser à la première occasion. Oh, je vous aime bien avec une petite barbe. Je prendrai en compte votre remarque. L'Office de secours des Nations Unies s'est engagé à verser une aide à la région, mais l'argent a été bloqué de peur qu'il n'arrive pas aux personnes qui en ont réellement besoin. Simultanément, le président Ezekiel Ibaka aurait obtenu près de 2,5 milliards de dollars d'aide de la part d'organismes privés. Le président nouvellement élu, qui a promis d'éradiquer la corruption, s'est personnellement adressé à des organismes à travers le monde pour éviter que son pays ne s'effondre. Mon père était un héros, un combattant, aussi exemplaire qu'il était redoutable. Un des plus grands généraux que le Nigeria n'ait jamais connu. Il adorait son pays. J'ai même parfois l'impression qu'il l'aimait plus que moi. Ça lui causerait beaucoup de peine de savoir ce que j'ai fait. C'était un homme fier, qui ne se serait jamais abaissé à la mendicité comme je le fais. Non, ce n'est pas exact. Votre père serait extrêmement fier de vous. Les efforts que vous avez déployés pour aider votre peuple resteront dans l'histoire, monsieur le président. Et n'oubliez pas, il faut du courage pour demander de l'aide. Votre générosité envers mon pays a été sans commune mesure, mon cher. Et elle aidera certainement à repartir sur des bases saines. Mais malheureusement, c'est toujours pas assez. Avez-vous déjà songé que 2,5 milliards de dollars ne seraient pas suffisants? C'est pour ça que je suis là. Je vous promets de mettre à votre service toutes mes compétences. Nous ferons ce qu'il faut. Nous le devons. Oui, nous le devons. Je ne crois pas avoir déjà vu une chevalière comme celle-ci. Oh, c'est un bijou de famille. C'est... J'y tiens énormément. Cette chevalière me rappelle les temps où le monde était bien différent, moins compliqué. L'époque où des hommes s'unissaient pour défendre ce qui était juste. C'est ce qui m'a toujours motivé. Ça m'a amené ici, jusqu'à vous. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Accès au compte bancaire à minuit. À minuit une, je veux qu'il soit vidé. Oui, monsieur. Qu'y a-t-il? Monsieur, sommes-nous obligés de faire ça? Ce n'est pas de l'argent sale, c'est 2,5 milliards. Ils sont destinés à aider une population exsangue. Ne commencez pas à avoir des scrupules, Arnie, vous n'en avez jamais eu.
Il a posé des questions sur votre chevalière, n'est-ce pas? Ça a pratiquement scellé l'affaire. Comment saviez-vous qu'il le ferait? C'est un sujet de conversation. Que lui avez-vous dit? La vérité, que c'était un bijou de famille. Sans lui dire qu'elle n'appartenait pas à ma famille. Si. J'ai failli la lui offrir. Pourquoi? Parce qu'il est aussi pathétique que l'homme à qui je l'ai prise. Vous l'avez depuis si longtemps, elle a sûrement de la valeur à vos yeux. Tenez. Elle est à vous. Voilà la valeur qu'elle a pour moi. Très bien. Allez, au travail. Le temps nous est compté. Oui, monsieur. Simon Templar, vous êtes le voleur le plus étrange qui m'ait été donné de connaître. Venant de vous, je prends ça comme un compliment. Vous avez la liste? Juste ici. $800,000 pour Médecins sans frontières. $750,000 pour l'aide aux migrants. Mm-hmm. 1,5 million pour le fonds contre la malnutrition infantile. Attendez, vous voulez donner tout cet argent aux enfants? Ce sont des gamins, ils sont petits. Ils n'ont peut-être pas besoin de manger autant, non? C'est votre argent, hein? C'est vous le patron. Assurez-vous que l'argent arrive là où il doit aller. Et moins ma toute petite commission. Moins votre commission assez élevée que certains de vos concurrents accepteraient volontiers de baisser. Et je vous l'accorde, mais aucun d'entre eux n'a ma délicatesse. Ni votre discrétion, mon cher ami. $2,5 milliards destinés à aider le Nigeria se sont apparemment volatilisés. Le président Ezekiel Ibaka, nouvellement élu, a promis de retrouver les fonds, sinon il démissionnera. Vous avez vu? Oui, ce n'est pas nouveau. C'est juste un autre dictateur corrompu qui vole son peuple. Plus ça change. Non, je lui fais confiance. Je crois qu'il s'est entouré de mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition. Suite à quelques recherches que j'ai faites. Comme c'est audacieux de votre part, ma chère. Je ferais mieux de me méfier, vous finirez par prendre mon travail. Non, je vous le laisse volontiers. J'aime être le cerveau de l'opération. Ah, c'est donc ce que vous êtes? Ce qui fait de moi? Les muscles, mon cher. Vous n'êtes que des muscles. Ah. Écoutez, récemment, j'ai vu le président nigérien en compagnie de cet homme. Je viens de vous envoyer sa photo. Qui est-ce? Je n'ai pas son nom, pas encore. Mais j'ai utilisé cette photo pour faire des recherches dans toutes les bases de données à reconnaissance faciale à ma disposition. La seule autre fois où cet homme apparaît... C'est sur une photosurveillance de la NSA, avec le cheikh Mohamed Al-Kaberi. Un financeur du terrorisme qui coule de beaux jours, on ne sait où, dans une prison secrète de la CIA. Son visage m'est étrangement familier. Laissez-moi deviner. Vous avez ramé ensemble à Oxford? Vous savez quoi? On va approfondir tout ça. Si on peut trouver un lien avec l'argent volé, ça pourrait nous ouvrir un boulevard. C'est également ce que je crois. Je suis déjà dessus.
Mais, Simon? Oui, ma chère? Je me suis peut-être trompée sur la barbe. Comment dire, je trouve que ça vous donne un air... plus vieux. Au revoir, ma chère. Vous, messieurs, vous êtes les seuls de cet établissement à avoir obtenu des notes parfaites à vos examens. Je suis bien plus surpris par vous, monsieur Templar. Vous aviez d'excellentes notes. Vous n'aviez en aucun cas besoin de voler le corrigé. Je n'ai pas gardé les réponses, monsieur. Et pourtant, vous vous êtes senti obligé de pénétrer par effraction dans le bureau de votre professeur. Ce n'est pas vrai, monsieur. J'ai fait un double de la clé. Donc vous l'admettez? Il n'y a rien à admettre. Vous nous avez coincés. Ce qui ne serait pas arrivé si vous aviez suivi le plan. Vous deviez faire exprès de vous tromper dans certaines réponses. Qu'est-ce qui vous a pris de voler le corrigé de l'examen? Vous n'avez pas besoin de tricher. Vous êtes un Templar. Vous avez des responsabilités. J'attends de vous que vous vous conduisiez d'une certaine manière dans ce monde. Je n'ai pas triché. J'ai seulement volé. J'apprécie cette distinction. Mais pourquoi, Simon? Je voulais qu'il m'aime bien. Je voulais faire partie de quelque chose. Vous faites partie de quelque chose. Je fais partie de quoi? D'une famille de riches, snobs, que personne n'aime? Savez-vous de quelle façon cette famille a acquis sa fortune? Savez-vous même ce que je fais dans la vie? Il est peut-être temps que vous l'appreniez. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Ceci est le symbole de l'ordre des Templiers. C'est quoi, l'ordre des Templiers? C'est une question très intéressante. Il y a très longtemps de cela, en 1119, immédiatement après la première croisade, un petit groupe de chevaliers est revenu de Terre Sainte. Vous avez fait du bon boulot, Coupe. Pourquoi vous ne prenez pas quelques jours? Vous l'avez mérité. J'aimerais ouvrir une nouvelle enquête. Quoi? Simon Templar, qui est-ce? Il est surnommé le Saint. J'ai parlé à Brodsky d'Interpol ainsi qu'à un inspecteur du nom de Teal à Scotland Yard. Ils le recherchent depuis des années. C'est un voleur international recherché pour blanchiment d'argent, fraude informatique et contrebande. C'est le type de la Russie? Ouais. Écoutez, Coupe. Vous êtes le petit surdoué. Mais le directeur pense que vous nous avez mis en grande difficulté au cours de votre dernière mission. Il n'y a rien sur ce type qui implique les États-Unis. Rien sur le plan national. Nous sommes le FBI. Pas la CIA ou Interpol. Cet homme a fait échouer une action antiterroriste et on va le laisser s'en sortir? Ce n'est pas notre problème. Le bureau ne soutiendra pas votre demande. Vous pourriez... Je ne vous suis pas. En parlant d'Interpol, vous avez vérifié? Quoi? Dans votre rapport, vous dites que ce saint a déclenché une balise alertant Interpol de l'existence de la bombe. Ah. Avez-vous vérifié? Oui. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Je me dis que ce n'était peut-être pas lui, le sale type, dans cette histoire. Vous oubliez les lingots. Il s'est tiré avec la plus grande partie. Vous croyez qu'il en a fait don à des œuvres? Agent Cooper, je ne veux plus vous entendre parler du saint dorénavant. Et vous savez quoi? Plus de sorties sur le terrain pendant un certain temps. Vous restez au bureau jusqu'à nouvel ordre. C'est une connerie monumentale et vous le savez... Vous voulez que ça devienne permanent?
Qui est à l'appareil? Je préférerais ne pas le dire. Très bien. J'ai besoin d'une protection. Pour moi et pour ma famille. Avant que je vous dise quoi que ce soit. Je veux que vous m'assuriez qu'on sera protégés. Comment avez-vous eu ce numéro? Je vous en prie, agent Cooper. S'il y a une information qui n'est pas importante, c'est bien celle-ci. Très bien, allez-y, je vous écoute. La nuit dernière, 2,5 milliards de dollars destinés à aider le Nigeria ont été détournés vers plusieurs comptes bancaires non traçables. Attendez une seconde, comment le savez-vous? C'est moi qui les ai détournés. Oui. C'est Valcross, il n'y a aucun doute là-dessus. Intéressant, je ne pensais pas qu'il aurait le cran. Le premier appel qui passera sera au FBI, il leur demandera protection, et il leur proposera de leur restituer l'argent en échange, ce que nous ne pouvons accepter. Bien. Je suis plus une gamine. Franchement, elle exagère. J'ai 18 ans, papa. Je peux quand même sortir quand je veux. Zoé, je t'ai pas interdit de sortir. J'ai dit que tu pouvais pas conduire ma voiture. Je suis pas en train de te parler, Catherine. Pourquoi tu l'as épousée? Elle a même pas l'âge d'être mère. C'est carrément dégueulasse. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si méchante? Ok, je vais essayer. Weil ich nicht für ihn halten konnte, hielt an der Tod für mich. Je parle pas du tout l'allemand. Vous voulez voir mon père? Il fait des affaires avec un tas d'étrangers louches. Puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, ce gentleman eut la bonté de s'arrêter pour moi. Emily Dickinson. Je l'adore. Mademoiselle Valcross. Allez, dépêchons. Désastre. Nous savons que les soutiens du président commencent à lui reprocher son manque de discernement. Voilà, c'est tout ce que nous savons pour l'instant, mais nous ne manquerons pas d'interrompre le programme en cas de nouvelles révélations. Allô, vous avez... On a un sentiment d'impuissance, n'est-ce pas, Arnie? Hein? Vous prenez ce qui m'appartient, je prends ce qui vous appartient. Je vous restituerai votre argent. J'en suis certain. Je veux juste que vous me laissiez un peu de temps. J'ai toute la vie devant moi, mais malheureusement, votre fille n'a pas ce luxe. Je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Disons que son bien-être est entièrement entre vos mains. Je vais vous dire, comme je vous apprécie, je vais vous laisser 48 heures. Patricia, je savais que je vous manquais. Désespérément. Je pensais que vous pourriez être intéressée par ce que j'ai ramené du brunch. Un des serveurs? C'est mignon. Non, en fait, vous vous souvenez de l'argent?
l'argent volatilisé pour l'aide au Nigeria? Difficile d'oublier 2,5 milliards de dollars. Oui, c'est vrai. Je les ai retrouvés. En totalité. Où ça? Sur des comptes. Gérés par un banquier privé du nom d'Arny Valcross. Vous le connaissez? J'en ai entendu parler. Comme la plupart des voleurs, il fait tout pour ne pas être repéré. Oh, désolé, mon vieux. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent cet argent. Aucune d'elles n'a de bonnes intentions. J'ai suivi Valcross à San Diego. Venez m'y retrouver. Je me mets en route. Le temps de prendre quelques affaires. Mesdemoiselles. Au fait, j'ai suivi votre conseil. J'ai rasé ma barbe. Du moment que ça vous satisfait. Salut. Salut. Salut Dora, qu'est-ce que t'as pour moi? L'appel provenait incontestablement de l'hôtel Grand Del Mar qui se trouve à San Diego. On a épluché le registre des clients et à première vue, aucun ne semble suspect. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être intéressant. Ah ouais? Regarde, un des clients est enregistré sous le nom de Reynold Crossval, qui est une recombinaison somme toute évidente du nom d'Arnold Valcross. Un banquier de la BICI qui a été étiqueté comme risque élevé dans notre système ces deux dernières années. Le cerveau d'un criminel présente toujours des failles. Tu peux me dire ce que c'est la BICI? Banque d'investissement et de crédit international. Les services fiscaux le lâchent pas depuis des années. Fraude fiscale à grande échelle, compte offshore, soupçons de blanchiment d'argent. Tout à fait le genre de personne qui pourrait non seulement voler, mais aussi blanchir autant d'argent. Ouais. Oh. Un problème, mon grand? Je vois pas pourquoi je me casse la tête, on vient de me consigner. Il n'y a aucune chance que Sims m'autorise à prendre un vol pour m'occuper de tout ça. J'ai ma petite idée sur ce point-là. Une copine sortait souvent avec un gars de la division des opérations internationales qui aimerait probablement te donner un petit coup de main. Ah ouais? C'est qui? L'agent spécial John Fernac. Fernac? Tu veux savoir pourquoi? Hein? Elle m'a dit qu'il est à la poursuite de ton sein depuis des années. Vraiment? Fernac. Par pitié, dites-moi que vous arrivez. Le plus important est de savoir si Valcross est là. Oui, il est là. Pour combien de temps encore? Aucune idée. S'il cherche à partir, je compte sur vous pour déployer vos charmes afin de le retenir. Vous êtes vraiment un gamin, sinon ça me plaît. Zoé! Ma chérie, Zoé! Zoé! Papa, ils vont me tuer! Comme vous pouvez l'entendre, votre fille commence à s'agiter. Avez-vous mon argent? Oui. Évidemment, dites-moi ce que je dois faire. Transférez le montant total sur le compte qu'on vous a envoyé et votre fille vous sera rendue saine et sauve. Comment puis-je vous faire confiance? Pour être honnête, je ne crois pas que vous ayez d'autre choix. Merci. C'est ça. Belle carrosserie. Merci. Elle s'appelle Genia. Valcross sait que nous avons sa fille. Il nous rendra l'argent. Oh, vous avez un problème. Un nouveau problème. Templar est ici. Simon Templar? Ouais. Hein? De toute évidence, Valcross fait appel à une aide extérieure. Sans doute l'ai-je sous-estimé. D'un autre côté, le monde a une curieuse façon de tourner en rond, vous ne trouvez pas? On devrait tuer Templar maintenant. Patience, Marius. Nous ne voulons pas effrayer Valcross avant qu'il ne transfère l'argent, n'est-ce pas? Oui, mais si Templar s'interpose? Oh, ça, je préfère le laisser à votre entière discrétion.
Ça va être amusant. Au bord de la piscine? Quand c'est possible. Belle journée. Qu'est-ce que vous portez dehors? De l'huile. Ah. Vous utilisez une protection? Toujours. Vous me connaissez. Concentrez-vous, mon cher. Notre mission est de récupérer les informations bancaires dans le coffre-fort de Valcross, dans la suite Manchester. Il y a un gardien à la porte. À quel genre de coffre je m'attaque? Un Keller 9000. Si Valcross a les données bancaires, elles seront là. Vous êtes vraiment très intelligente, Miss Holm. Je sais. FBI. Monsieur Valcross, comment allez-vous? Je suis l'agent spécial John Henry Fernack. Je crois que vous avez des informations pour moi concernant les actifs non, de... Non, aucune. Ah non? Alors, pourquoi avoir appelé le FBI au sujet de votre... J'ai composé le mauvais numéro, inspecteur. Ah. Je ne travaille plus pour la BICI. Pourquoi? Vous les avez volés? Ils vous ont attrapé? Ils vous menacent? Écoutez, je suis vraiment désolé, inspecteur. Vous vous êtes déplacé pour rien. Pas pour rien. C'est toujours utile, monsieur Valcross. Bonne journée. Tiens, tiens. Notre vieil ami, l'agent spécial Fernack, est ici. Il vous a suivi jusqu'ici depuis la Russie? Non, c'était un autre agent. Mais j'imagine qu'au FBI, ils se parlent entre eux. Vous savez, il y a quelque chose de trop simple dans tout ça. Je me suis dit la même chose quand j'ai retrouvé les comptes. C'est comme si Valcross voulait être repéré. Simon, faites attention. Qui ne risque rien à rien? Où dois-je aller? 310. La suite qui se trouve juste après celle de Valcross. Soyez gentil avec le garde du corps. Bonjour. Service d'étage. Si vous pouviez faire votre travail, Miss Holm. Attention, il y a un garde du corps derrière la porte mitoyenne. Désolé, mon pote. Un bloody Mary et tout rentrera dans l'ordre. Mon bruit préféré. Salut, toi, petite boîte pleine de promesses. Vous faites partie de quelque chose. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Ceci est le symbole de l'ordre des Templiers. Qu'y a-t-il, Simon? Qu'avez-vous trouvé? Simon! C'est une délicate attention, monsieur Valcross. Je cherche la chevalière de mon père depuis des années. Je vais vous montrer. Pourriez-vous me dire pourquoi vous m'avez attiré ici? Je pensais que vous refuseriez de parler à un type comme moi, mais que vous accepteriez pour 2,5 milliards. Et vous aviez raison. À moins que vous ne fassiez un chèque, que puis-je faire pour vous? Ma fille a été enlevée. Le FBI est dans l'hôtel, pourquoi ne pas leur en parler? Si je laisse le FBI s'en occuper, je ne la reverrai jamais. Je compatis, monsieur Valcross, mais quand on blanchit de l'argent pour les dictateurs les plus corrompus au monde, c'est le genre de choses qui arrivent. J'ai caché l'argent. J'allais le donner au FBI, mais ma fille a été enlevée avant que j'en ai eu l'occasion. Écoutez, s'ils veulent l'échanger contre de l'argent, alors faites-le. Ce qu'ils veulent, c'est me tuer. Ils tueront ma fille. Elle ne mérite pas ça. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour vous occuper de l'échange. Pour nous aider à nous en sortir. Je vous en prie. Vous êtes le saint. Vous, les Américains, vous prenez tout au premier degré.
Simon, Simon, ne restez pas là! Et dans le nomade, je vous en supplie, sauvez ma fille. Où avez-vous eu cette chevalière? Simon Templar, vous vous souvenez de moi? Posez ce putain de flingue, Fernac, et appelez une ambulance. Pas question. Mettez vos mains en l'air. Maintenant! Après des années à vous avoir traqué à travers le monde, j'ai enfin arrêté le sein. Simon! Contente de vous voir. Moi aussi. Et Valcross? Non, je le crains. Mais on doit retrouver sa fille. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Les choses nous ont un peu échappé. Valcross est mort. Et Templar? Il a pu s'enfuir. Probablement avec mon argent. Auriez-vous perdu la main, Marius? Je peux arranger ça. Je l'espère sincèrement pour vous. Ne répondez-vous pas quand je vous appelle? Désolé, j'étais en train de lire. J'ai quelqu'un à vous présenter. C'est quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Xander. Comment allez-vous, monsieur? Je vais parfaitement bien, jeune homme. Merci. Bien, alors je vous laisse faire. Mais que doit-on faire? Je crois que je vais laisser Xander vous l'expliquer. Bonne chance. J'ai entendu dire que vous avez eu des problèmes à l'école. N'ayez pas honte, Simon. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Est-ce que vous êtes un docteur de la tête? Un docteur de la tête? Oui, un médecin psychiatre. Non. Bien que j'aime à croire que mes enseignements aident à structurer le corps et l'esprit, je ne suis pas médecin. Je suis entraîneur. Quand nous en aurons fini, aucune brute du Royaume-Uni ne s'aventurera à vous défier. Bon réflexe. Frappez-moi. Quoi? Frappez-moi. N'ayez pas peur. Plus de souplesse dans le poignet, c'est ça. Première leçon. Ne jamais détourner les yeux de votre adversaire. Vous allez m'apprendre à faire ça? Oui. Et bien plus encore. Frappez-moi à nouveau. Ah.
Ah, c'est complètement fou. Un hélicoptère avec une mitrailleuse. Et vous savez quoi? Je vais dormir avec mes chaussures. On ne s'ennuie jamais quand Simon Templar vient à Los Angeles. Comment vous faites pour faire marcher tout ça? Je comprends pourquoi vous êtes l'homme de confiance de Simon pour le transport local et la technique. Doyle, peut-on espérer un petit déjeuner? 2 œufs à la coque, marmelade, pain grillé et café. Vous pensiez que j'oublierais, patron? Ok, alors, on a 2,5 milliards qui se sont volatilisés. J'ai toujours voulu acheter une maison à Hawaï. Ça fait quoi, 10% de 2,5 milliards divisé par 3? Un peu plus de 83 millions. L'argent est la rançon pour la fille du banquier. On ne le garde pas. Désolé si ça met un terme à vos projets immobiliers. Et comment allons-nous trouver cet argent que nous ne gardons pas? Ma chevalière perdue. Valcross a dit qu'elle contenait les numéros de compte quelque part. La croix des Templiers? Symbolisant tous ceux qui ont consacré leur vie au service des autres. En théorie, en tout cas. L'inscription est érodée. Nullum est periculum non mercedi. Qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est un travail récent. Ah, oui. Ah. Ce doit être ce que les inspecteurs nomment un indice. Ça ressemble à un diamant. Il est synthétique. Doyle, est-ce que la maison qu'on squatte est équipée d'un lecteur DVD? Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes aussi belle que douée en technique. Vous l'avez trouvée où? Dans le désert Roub al-Khali. Je dois dire qu'elle était une représentation de la grâce en fâcheuse posture. Elle n'était pas si fâcheuse que ça. J'avais la situation bien en main. En habara al-Hasoud, 3 kilos de l'infijar. Akhoud al-Mara? La, ba'd l'infijar. Akhoud Masoud. Une femme magnifique enchaînée, 3 morts, à 100 km au sud de Bagdad. J'ai hâte que vous me racontiez. Ah. Si je peux baisser les mains, je serai peut-être en mesure de trouver la clé de ces chaînes. Vous êtes britannique? Oui, de cœur. Je comprends même le cricket. Force spéciale? Vacances en moto. En Irak. L'essence y est très bon marché en ce moment. Mm. Vous vous appelez? Patricia Holm. Simon Templar. Je vous dépose quelque part, Miss Holm. Arrêtez avec vos flatteries. On parle de flatteries quand ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des numéros de compte brouillés, je suppose? J'ai besoin de la bonne fréquence pour déchiffrer les données et un mot de passe ou une clé. Avant de mourir, Valcross a dit qu'elle était dans le Nomade. Un nomade est un fichier numérique qui n'est pas installé sur un ordinateur, mais dans des datagrammes sur plusieurs serveurs dans différents endroits. J'adore quand vous parlez geek. Donc on doit trouver ce nomade, obtenir la clé, lire le cristal, échanger l'argent contre la fille et le tour est joué. Par où allons-nous commencer? La maison de Valcross. Doyle, avez-vous regardé dans le garage? J'adore les voitures tape à l'œil. Mais nous avons les enfants. C'est une promenade familiale, chérie. Non mais croyez-moi, capitaine, c'est exactement la même pâte. C'est comme les jumeaux. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Pizza ou donut, donut ou pizza. Hé hey, donut à la pizza. Ce serait nouveau, ça? Ouais, ce serait nouveau. FBI, agent spécial John Henry Fernack. Vous devez être le capitaine Miller. Et moi, c'est Garcès. Inspecteur Garcès. Vos collègues au poste ont dit que vous pourriez traîner par là. Ah ouais, c'est notre coin. On m'a dit que vous passeriez me voir. Vous auriez pu me laisser finir de déjeuner, c'est pourquoi. C'est pour ça. Simon Templar, voleur international venant de Londres et de New York. Ça fait des années que je le traque. Et alors? Et il est à Los Angeles. J'ai besoin de l'aide d'un autochtone. Bah, moi j'ai un peu de sang Cherokee. Prenez-le. Je vous en prie. Il est Cherokee? Merci, capitaine. Ah, ça va être super. Qui sommes-nous aujourd'hui? Des experts en assurance. Nous venons pour estimer la succession. Vous vous occupez d'elle pendant que je scanne les appareils électroniques pour trouver des traces du nomade.
Madame Valcross, acceptez toutes nos condoléances. Nous représentons la société d'assurance vie de votre mari. Êtes-vous Simon Templar? Oui. C'est moi. Entrez. J'ai appris ce qui est arrivé à Arnie par la radio, au moment où je rentrais du travail. Quand je suis arrivée ici, le téléphone sonnait. C'était les ravisseurs. Ils ont dit que vous viendriez et que si j'appelais la police, ils tueraient Zoé. Avant, vous ne saviez pas qu'elle avait été enlevée? Non, je pensais qu'elle était sortie avec des amis. Nous ne nous sommes jamais vraiment très bien entendus. Elle estimait que j'étais trop jeune pour être avec son père. Madame Valcross, que saviez-vous sur les activités bancaires de votre mari? Je savais que les gouvernants qu'il représentait étaient peu recommandables. Je savais qu'il leur apportait son aide pour détourner et blanchir des milliards des caisses de leur pays. Cependant, ces derniers temps, j'ignore si c'était sous mon influence, mais il avait changé d'attitude. Il voulait vraiment que l'argent retourne dans ces pays et qu'il profite à ceux qui en avaient le plus besoin. Je me sens tellement coupable, je me sens responsable de ce qui est arrivé à mon mari et à Zoé. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Je vais retrouver cet argent et grâce à lui libérer votre belle-fille. D'accord? Merci. J'ai scanné les ordinateurs, mais les disques ont été nettoyés. Arnie a dû le faire à distance avant d'être tué. Où peut bien se cacher notre nomade? Les données qu'on recherche ne sont pas ici. Pour les retrouver, il faudra du temps. Et on n'en a pas. Les ravisseurs n'auraient pas laissé un numéro de téléphone? Faites-les parler aussi longtemps que vous pouvez. Templar, quel dommage de vous avoir raté à San Diego. Désolé pour votre hélicoptère, mon vieux. Oh, c'est pas grave, il était volé. Ce qui m'embête davantage, c'est que vous ayez foutu en l'air mon trafic d'armes. Ah, le conteneur de fusils d'assaut au Mali, j'ai trouvé que ça explosait assez bien. Est-ce que nous pouvons convenir de l'échange? La fille contre l'argent. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Alors, pourquoi ne pas renvoyer la fille chez elle en signe de bonne volonté et avec Patricia, nous continuerons à chercher l'argent? Vous savez que je ne peux pas la libérer sans avoir l'argent en main. Disons encore 24 heures. Ensuite, elle meurt. Passez le bonjour à Patricia. Red Marius vous passe le bonjour. Ah oui. J'ignorais que vous vous connaissiez. C'était avant que je vous rencontre, mon cher. Je n'ai qu'une indication partielle. Pas assez pour une localisation précise. Et l'argent, vous pouvez le retrouver? Rhett est d'accord pour patienter, ça veut dire que nous avons un peu de temps. Mais on doit agir rapidement. Si je ne vois pas la couleur de ce pognon, tu crèveras comme ton père. Non! Non! Arrêtez. S'il vous plaît. Ok. J'ai un groupe de musique avec des potes flics. C'est moi qui donne le rythme. Alors ça explique tout, faut persévérer. Laissez-moi vous poser une question. Le gars qu'on veut est juste devant nous. Pourquoi on l'attrape pas? Non, ce serait la pire chose à faire. Vous voulez pas le coincer? Je dis ça comme ça, mais il est recherché dans le cadre du meurtre de Valcross. Non, parce qu'il est notre meilleure chance de retrouver le fric. À la minute où il l'aura, je serai là. On doit juste faire en sorte de ne pas le perdre de vue. Doyle, à l'angle de Grandview et de Lake, il y a le pôle d'Arnie. Vous pouvez le pirater? Je suis en train d'analyser leur pare-feu. Difficile d'imaginer qu'avec Wright Marius, vous aviez des sujets de conversation. Vous avez raison, il n'y en avait pas. Donc, je peux savoir ce que vous faisiez tous les deux? Simon. Quoi? J'ai bien le droit d'être un peu curieux, vous ne croyez pas? Après tout, ça fait un an qu'on se fréquente. Oui, et depuis le début, nous avons évité les soirées trop arrosées, où on en dit trop. On a tous nos petits secrets. Ok, doucement. Désolé, mais arrêtez ça, je supporte pas. Quoi? Les cris. Je supporte pas les cris.
vous avez demandé de rester proche d'eux. Ok, parfait. Mais si vous leur collez au cul, vous savez quoi? Ils sauront qu'on est en train de les suivre! Je n'ai jamais filé personne. Mais merde, vous êtes vraiment inspecteur? Ok, le pare-feu est trop performant. Faut qu'on trouve un autre moyen pour récupérer le fichier. Ça va devenir intéressant. Je crois qu'on est suivi. Ah, bon sang, c'est Fernac. Ma chère, vous pouvez courir avec ces talons? Vous voyez? Poussez-vous! FBI, dégagez! Gaffès, occupez-vous d'elle! Elle est plus rapide que lui! Dégagez! Allez où, hein? Hein? Je vous arrête. Sérieux, Fernac? Trois flingues? Mais vous n'avez que deux mains. Profitez bien de ce moment. Je ne cesserai jamais de vous traquer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Fernac. Nous pourrions unir nos forces. Je ne travaille pas avec les criminels. Je les mets en prison. Sauf moi, mon ami. Ça n'arrivera jamais. Désolé pour le retard. En retard? Non, vous avez votre échelle de temps. Comment ça s'est fini avec l'inspecteur Fernac? Mieux que dans cette usine de voitures à Cologne, mais un tout petit peu plus humiliant qu'à Bombay. Le stockage des données est ici, n'est-ce pas? Oui, le fichier nomade est sur leur réseau. Dans une salle des serveurs, quelque part. On va utiliser cette astuce du studio Nippon. Suivre la consommation de courant? Oui. Bingo! Les serveurs sont installés au sous-sol. Et comment fait-on pour récupérer des datagrammes nomades? Avec un modem leurre. On le branche sur la hardline et il les récupère un par un. Ce qui nous amène à l'argent qu'on échange contre la fille. Il y a un problème. Les comptes de Valcross se désactivent et redémarrent à 6 heures. Bon bah, on trouvera jamais l'argent. Simon, Reit va tuer Zoé. On doit s'équiper le plus vite possible. À cette heure-là, on trouvera l'équipement que dans un seul endroit. Chez Sonali Alves. Je ne l'ai pas revue depuis Rio. Il n'y a aucune chance pour qu'elle vous ait oublié, patron. Que s'est-il passé à Rio? Le carnaval? Ah. Qui est Sonali Alves? Je suis surpris que Simon vous en ait pas parlé. Elle est dans la boucherie? Ça peut arriver. Il est trop tard pour commander. Je pensais prendre quelques queijo minas avec des piñao dans une demi-lune de pasteis et peut-être un peu de couscous branco. Alors, s'est-il passé à Rio? Vous êtes bien curieuse, ma chère. Sonali, content de te voir. Como você usa nostra seurostaki? T'étais pourtant bien contente de me voir à l'époque. Tu te souviens du petit déjeuner au lit au Copa Palace? Tranquillo. Vous me flinguez et je descends votre boss. Sonali, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur, mais on a besoin de ton aide. T'as cramé mon trafic de faux billets. J'ai tout perdu. L'encre, ce copieur avec spécification fédérale... Écoute, on a passé un merveilleux moment ensemble, mais je ne pouvais pas te laisser déstabiliser l'économie mondiale. Un afflux d'espèces contrefaites... Simon, aurait... une autre fois, voulez-vous? Écoutez-moi, nous avons besoin de votre aide. Une jeune femme a été enlevée. Pour la sauver, nous devons acheter une partie de votre équipement. On a du cash. On paye au prix fort.
Pour vous deux, c'est ok. Super. Mais pas pour lui. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Optero rinoceronte. Le vainqueur. Rhinocéros. On pourrait peut-être en reparler. On va prendre un autre épandeur de fréon, le gel à l'acide et le raccordeur en fibre optique avec mégaoctets intégrés. Un modem leurre? Oh oui. Vous faut-il autre chose? Non, je crois que c'est bon. Vous n'êtes pas inquiète pour Simon? Un beau bébé. Bien sûr, t'as conscience que les stéroïdes endommagent le foie et les fonctions érectiles. Entre autres effets secondaires, il y a l'acné, l'atrophie des testicules et le gonflement de la prostate, je t'assure. Santé. Vos 40 000. Faire des affaires avec vous est un plaisir. Avec vous aussi. Je suis désolée pour votre homme. Ce n'est pas mon homme. On est associés. Il ne vous a jamais fait l'amour? Ah, vous me le recommandez? Bien que j'adorerais connaître la réponse, on doit se rendre autre part. On a fini ici? Très bien. Sonali. Ciao. Ciao. Hijo de puta. J'ai entendu. Je croyais que vous n'étiez pas du genre à vous prendre des coups. Oh, tout est illusion. Oh, il nous reste combien de temps? Le serveur se réinitialise dans 40 minutes. Vous pouvez y accéder en passant par la sortie de secours. Simon, vous êtes sûr de trouver la force pour faire un braquage ce soir? Bien sûr, j'en suis capable. Je suis un Britannique. On a toujours été prêts. Vraiment? Ouais. J'ai trouvé Templar et la fille. Ils sont en route pour récupérer l'argent. Ça fonctionnera peut-être comme prévu. Le jour où j'aurai besoin de votre avis, Marius, je vous le ferai savoir, c'est clair? Simon Templar ne va pas seulement mettre la main sur les 2,5 milliards, il essaiera également d'être un héros. Que voulez-vous que je fasse? Votre job. Ok. Je ne laisserai pas une jeune fille innocente payer pour les fautes de son père. Saint courage, digne héritier des Templiers. Les Templiers ne sont que des héros de contes de chevaliers ayant mal fini. Et pourtant, vous volez au secours d'une fille en danger, le cœur sur la main. Tenez. Pouvez-vous la garder pendant que je suis à l'intérieur? Vous m'offrez une bague sans vous mettre à genoux. Je détesterais détruire cette merveilleuse amitié qu'aucun de nous ne mérite. Vous n'êtes pas d'accord, Miss Holmes? Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas juste! Pas juste? Aucune bataille dans l'histoire de l'humanité n'a été juste, Simon. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas un jeu dans lequel des règles garantissent l'honnêteté entre les participants en vue de déterminer un gagnant et un perdant. C'est ainsi, c'est la vie. Pour les Japonais, est-ce que Hiroshima était juste? Ou pour les Juifs, en Pologne? La justice, c'est un concept créé par les faibles parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les forts. Et l'honneur, alors?
Je sais que vous aimez les épopées sur l'ordre des Templiers, Simon, mais à un moment donné, vous devrez réaliser que ce ne sont que de belles légendes. En dehors d'ici, c'est la loi du plus fort. Vos ennemis chercheront à accaparer le maximum d'avantages. Vous devez y être préparé. Comment on se prépare à ce qui est inattendu? Il n'y a qu'un seul moyen, s'attendre à tout. Je suis à la porte d'accès extérieur. Vous devez désactiver l'alarme. Je m'en occupe. J'ai envoyé Doyle à l'intérieur pour planquer un émetteur. S'il le faut, quelqu'un se fera taser. Rentrez là-dedans, c'est tout. Excusez-moi. Bonjour. Désolé de vous déranger. Je me demandais si vous pouviez me montrer où se trouvent les toilettes. Non. Ok. Je suppose que je vais devoir me retenir. C'est pas très sympa, mais bon. C'est quoi ça? Ah. Franchement. Qui a installé ces serrures? Laissez-moi une minute, mon cher. Doyle a un problème. Ok. Attendez, je vais vous expliquer. Demandez-lui à elle va vous expliquer, je vous assure. Vous devriez avoir une petite conversation. C'est bon là? Oui, mais c'est bon, je contrôle la situation, mais allez-vous-en maintenant! Allez! Tu vas venir là, toi! Simon, je retourne à mon poste! Moi, je vais t'apprendre les bonnes manières, moi! L'alarme est désactivée! Foncez! Allez! C'est bizarre. Ce type était inconscient il y a encore 2 secondes. Oh! Le meilleur chemin pour atteindre le serveur est de passer par la porte blindée. Attention, elle est truffée de boulons explosifs. Si vous en touchez un, une alarme est activée et libère un jeu de portes secondaires. Vous allez devoir laisser ces charnières en place. Et terminé. Le plancher derrière la trappe d'évacuation est composé de carreaux flottants sensibles à la pression. Ils doivent être gelés avant que vous puissiez marcher dessus. Les carreaux décongèleront en 10 secondes. Alors soyez rapide. Je suis devant le scanner biométrique. Vous avez une main pour moi ? À partir de maintenant, vous êtes Sydney Felsberg. Non, vous êtes Alexandra Crevoy. Ça y est, j'y suis. Raccordez le modem et lancez le téléchargement. Bonjour, Miss Holm. Fernac. Enfin. On dirait qu'il est dans la salle du serveur. Surveillez-la. Moi, je vais chercher Templar. Je m'appelle Garcès. Inspecteur Garcès. Enchanté. FBI! La salle du serveur. Au sous-sol. Vous, avec le blouson noir, essuyez-vous et venez avec moi. Oui, monsieur. Et moi? À votre avis?
passez-moi le sac. Fernac, si je fais ça, une fille innocente sera tuée. Sauver la vie des gens, c'est mon job, pas le vôtre. Si vous le dites. Non. Votre intérêt pour votre coéquipier est touchant. Il n'est pas mort. Non. Miss Holm, agent spécial John Henry Fernac. Je dois parler à Simon. Il vous entend. Simon, j'ai besoin du diamant de votre chevalière. C'est le seul moyen que j'ai d'accéder au compte de Valcross. J'ai un yacht. Un marée au quai 5 du port de Los Angeles. Je vous y attends à l'aube. Et évidemment, vous venez seul. Marius les tuera si on ne fait rien. Nous ? J'appelle des renforts. Je vous en prie, croyez-moi, si vous faites ça, c'en est fini pour elle. D'accord ? À vous de voir. Tiens, ce sont les numéros de compte que tu utiliseras pour le transfert. Une question. Quand as-tu perdu ton âme ? Fais-le. Vous êtes convaincu d'être quelqu'un, n'est-ce pas? L'élégance britannique, les vêtements de marque, une petite assistante sexy? Elle n'est pas mon assistante, elle est mon associée. Une fonction que je voudrais qu'elle garde. Vous savez tout de même qu'on se dirige droit vers un piège. Voilà au moins une chose dont on est sûr. Il y a 6 gardes sur le pont. Une fois que je me serai occupé d'eux, vous entrez, vous prenez la fille et vous sortez. Quand ce sera fini, je vous coffrerai. Croisière sans moi, ma chère. Et voilà le héros. Il n'y a plus de suspense. La chevalière, s'il vous plaît. Où est la fille? Amenez-la. Amenez-la. Tiens, finis le boulot ou je m'occupe de toi. On ne parle pas comme ça à une lady. Je parle à ma femme comme je l'entends. Ex-femme. Vous alliez me le dire? Fallait demander. L'agent spécial John Henry Fernac. Tout se passera bien si vous ne criez pas, d'accord? Ça va? Je vais vous dégager. Viens par ici, petite salope! La fameuse chevalière de la famille Templar. Pauvre petit Simon. Sa maman et son papa tués par balle, juste devant ses yeux. Comment êtes-vous au courant? Comment croyez-vous que Valcross ait obtenu cette chevalière? De l'homme qui a tué votre mère et votre père. Vous n'en voulez qu'à moi! Laissez ma famille en dehors de ça! Ah.
La première fois que mon père t'a ramené à la maison, je le savais. Et tu veux que je te dise ? Ça fait du bien d'avoir raison. La ferme. Voyez-vous ça ? N'est-ce pas une matinée pleine de surprises ? Qu'y a-t-il de si surprenant à ce qu'une croqueuse de diamants tue son mari pour son argent ? Catherine, vraiment ? Marius, lâche la fille. Sauver cette fille ne vous ramènera pas vos parents. Qui les a tués ? Qui a tué mes parents ? Vous, Simon Templar, n'êtes qu'un pion dans un jeu qui vous dépasse. Comment allez-vous ? Elle s'est servie de mon père pour lui prendre tout ce qu'il possédait. Il faut que vous sachiez que votre père a été un homme courageux. Sa volonté de restituer l'argent volé à des personnes qui en avaient besoin lui a coûté la vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez finir ce qu'il voulait faire. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et l'argent retournera à ceux qui en ont le plus besoin. Tout ira bien. Dites au revoir à votre petite amie. Lui, je l'aime. Et je le ferai sortir. En fait, j'en doute fort. Templar. Templar ? Templar ! Mesdames et messieurs, ce sont toutes les informations dont nous disposons à ce jour. Monsieur le Président, Président Ibaka, connaissez-vous les détails entourant la réapparition soudaine de ces fonds ? Je ne sais pas où cet argent s'était volatilisé, ni comment il est réapparu. Mais aujourd'hui, la seule chose qui m'importe, c'est d'utiliser enfin ces fonds pour aider l'ensemble de mes compatriotes qui ont tout perdu dans cette terrible catastrophe. Allez. J'attendais justement votre appel. Quel dommage que votre truand Marius ait échoué dans son entreprise. Ce n'est pas mon truand, c'est votre ami qui l'a recommandé pour ce boulot. Écoutez, on établira les responsabilités plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin d'aide pour me faire oublier. Vous pouvez essayer, mais vous devriez vous dépêcher. Vous n'allez quand même pas me laisser porter le chapeau pour cette histoire. Je suis désolé, la confrérie en a décidé ainsi. Félicite. Ça m'a pris un temps exceptionnellement long pour vous retrouver. Ah !
ça que vous cherchez? Je deviens trop vieux pour ça. Bonjour, Simon. Ça faisait longtemps. J'ai une personne à vous présenter. C'est quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Xander. Xander. Prenez ce que vous voulez. Les bijoux, l'argenterie. Nous n'avons pas d'argent ici. Vous, plus que tout autre, devriez savoir que l'argent est la motivation des esprits les plus faibles. Et qu'est-ce qui motive la confrérie ? La paix dans le monde ! Vous êtes tellement prétentieux, tellement moralisateur. Mais un templier n'est autre qu'un croisé sous un autre nom. Nous aussi, nous avons une cause sainte. Éradiquer les derniers templiers de la surface de la Terre. Vous n'en voulez qu'à moi. Laissez ma famille, ma femme, hors de tout ça. Mon père vous a demandé votre clémence, pas pour lui-même, pour sa famille. Et vous ne la lui avez pas accordée. Ravi que ce soit vous, Simon, ça devait être vous. Mais sachez que je ne suis pas le seul, beaucoup d'autres vous pourchasseront. Quand vous serez mort, je m'en inquiéterai. Pas le courage. Vous êtes toujours ce petit garçon préoccupé par son honneur. Je ne suis pas un assassin. Je suis un Templar. Vous êtes aussi faible que votre père. Il n'était pas faible. Il vous a accueilli dans sa demeure. Et vous l'avez trahi. Mais je préfère être un faible. Plutôt que d'être une personne comme vous. Courage, Xander. Vous en aurez besoin. Vous avez conscience qu'il me suffira de donner un coup de fil pour ne pas passer un seul jour en prison. Si vous le dites. Main en l'air, vous êtes en état d'arrestation. Agent spécial Cooper, FBI. Agent Cooper, quel plaisir de vous revoir. J'aimerais en dire de même. Je vois que vous avez emmené une amie. Oui, c'est ma coéquipière, agent Doralie. Vu les informations que j'ai pu dénicher sur les fichiers qu'il a transférés dans la dernière demi-heure, il a été suffisamment en relation avec des groupes terroristes et des fonds suspects pour donner du travail à la sécurité intérieure pendant longtemps. Quelles sont les charges ? Pourquoi pensez-vous que nous avons des charges contre vous ? Le gouvernement américain veut juste vous parler. Et ce, en vertu du National Defense Authorization Act, section 1021 et 1022, qui nous autorise à détenir de façon illimitée les personnes suspectées de terrorisme. Vous voyez, nous n'aimons pas nous précipiter sans avoir des faits.
des faits qui pourraient être très longs à exhumer. Mmh. Ouais. Et pour vous, monsieur Tom... Foiré. Embarquez-moi ça. C'est pas grave. Un criminel sur deux, c'est déjà pas si mal. Je suppose que je devrais être content que Fernac ait fait le travail de terrain et qu'il me laisse l'arrêter. Tu m'étonnes.